Suravenir Assurance est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, une filiale spécialisée dans la fabrication et la distribution des produits d'assurance des biens et des personnes. Donc Suravenir Assurance fabrique des produits d'assurance auto, de multirisque habitation et de corporel, et elle est distribuée via un réseau d'agences. Donc elle s'appuie sur le réseau d'agences du Crédit Mutuel. Donc c'est plus de 480 points de vente sur 17 départements, et puis un réseau de partenaires et un réseau de filiales, donc notamment Fortunio, qui est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Donc c'est plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et presque 22 millions d'euros de résultats nets en 2013. On a été amené en fait à réfléchir sur un processus de dématérialisation de tous les documents entrants et du traitement numérique de ces documents. En 2003, Suravenir Assurance a conduit une étude interne. Donc, pendant un an, il y avait une phase d'audit puis de cadrage pour justement l'intégration d'un logiciel de scannerisation et de RAD et de LAD de documents. Donc, en 2004, on a lancé l'appel d'offres. On a sélectionné ITsoft au bout de cet appel d'offres-là pour plusieurs raisons. Donc, ITsoft était une société leader à cette époque-là, ses précurseurs. Et puis le contact que les dirigeants de Suravenir Assurance ont eu avec les dirigeants d'ITsoft était plutôt rassurant. Donc le projet consistait à lancer la numérisation de tous les documents pour passer du papier vers le numérique et puis faire de la RAD et de la LAD sur un certain nombre de documents. Donc le périmètre était assez réduit en termes de RAD et de LAD, mais la numérisation était très très élargie. Donc entre 2003 et 2013, on a éprouvé la solution. Et puis en 2013, on a décidé de faire évoluer cette solution-là pour intégrer le module fax et le module mail. Donc depuis 2013, on donne la possibilité à la fois à nos clients finaux et nos partenaires, donc notamment les courtiers, de pouvoir interagir avec nous par fax et par mail également. On est en 2013 à plus de 4 millions de pages par an, plus de 200 000 pages par mois sur la partie mail, plus de 130 000 pages par mois sur la partie courrier et globalement à 2500 pages par mois sur la partie fax, sachant que le fax est une conversion vers le mail au final. Au niveau de la qualité de service et la traçabilité, puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où on a tout informatisé, tout numérisé, les documents sont plutôt tracés. Donc on sait à quel moment ils ont été numérisés, à quel moment ils ont été transmis vers le gestionnaire et à quel moment le gestionnaire a fini de les traiter. On peut également, par exemple, faire des relances vers le réseau sur des pièces complémentaires. Donc les conseillers en caisse, ils peuvent, on peut savoir en fait le conseiller qu'est-ce qui lui manque comme élément dans son dossier pour le relancer. On améliore la fluidité entre les services. Donc les transferts d'informations ne se font plus d'une manière manuelle, mais plutôt informatique. Et puis, on gagne aussi sur l'aspect archivage, où on ne va plus chercher les documents dans les armoires. Tout est informatisé, tout est stocké en JED. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en intégrant les produits ITsoft FreeMind, on a intégré aussi en 2003 la JED ITsoft Share, qui continue à être utilisée aujourd'hui dans le système d'information.